Mes chers collègues, comme la majorité des membres du Conseil est présent, je vous propose de démarrer nos travaux. Est-ce que Éris Berthommier accepte le secrétariat de séance ? Oui, bien sûr, monsieur le maire. Merci, ma chère collègue. J'ai reçu le pouvoir de madame Bocan qui l'a donné à madame, à la première adjointe. Et je vous rappelle l'ordre du jour définitif de notre séance qui comprend 15 points. Nous introduisons un vœu sur les galeries d'art, d'ailleurs en accord avec madame Hervieux qui va sans doute nous rejoindre dans quelques instants. Donc, conformément au règlement, je vous propose de voter la procédure d'urgence pour introduire ce vœu qui vous sera distribué tout à l'heure et qui, je pense, fera l'unanimité, qui est présenté d'ailleurs au nom de l'ensemble du conseil d'arrondissement. Donc, je vous propose de voter la procédure d'urgence. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Nous avons à voter l'extrait des délibérations de la séance du conseil d'arrondissement du mardi 23 février 2021. Y a-t-il des remarques ? Il n'y en a pas. Je vous propose de le voter. Et je crois que maintenant, d'ailleurs, les comptes rendus sont plus visibles sur le site de la mairie du 6e, ce qui est une bonne chose. Et je remercie Monsieur Comet de nous l'avoir fait remarquer. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Nous avons donc reçu 3 vœux, outre le vœu déposé par le Conseil du 6e arrondissement en urgence, les 2 vœux de Madame Kiss, qui a trait à la végétalisation de la rue Michelet entre les 2 parties du jardin des grands explorateurs. Un 2e vœu de Madame Kiss relatif à la réduction de la nuisance lumineuse nocturne provenant des commerces et bureaux. Et puis nous répondrons à la question orale qu'avait posée Madame Hervieux sur la situation de la jeunesse et des étudiants. Je vous propose de rentrer dans le conseil d'arrondissement, dans l'ordre du jour, pardon, dans les délibérations. Et je donne la parole à Monsieur Olivier Passelec qui va rapporter sur le premier point de l'ordre du jour qui a trait à une modification du règlement intérieur des conseils de quartier du 6e arrondissement. Oui, Monsieur le maire, je vous remercie. Donc, mes chers collègues, il s'agit en fait très simplement d'actualiser et d'officialiser ce que nous avons délibéré ensemble lorsque nous avons adopté ici dans ce conseil le règlement intérieur du conseil de quartier, et effectivement pour permettre aux membres du collège habitant, qui sont tous tirés au sort, 4 titulaires, 4 suppléants, de donner finalement à ces 8 représentants des habitants un statut identique, leur permettant donc de voter. Et ainsi, l'article 4 le précise, et nous passons donc officiellement de 12 membres à 16. Ainsi, les habitants dans leur collège représenteront à eux seuls la moitié de chaque conseil de quartier, ce qui me semble conforme à l'esprit et à la lettre de la loi, qui, vous savez, est la loi Vaillant du 27 février 2002. Voilà, donc je vous demande d'adopter cette légère modification du règlement intérieur des conseils de quartier. Je vous en remercie. Merci, monsieur l'adjoint. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Il n'y en a pas. Pour cette modification limitée, mais essentielle, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à notre collègue Florence Devara qui va rapporter sur une subvention qui a été regroupée pour 2 associations qui œuvrent en faveur du bien-être des personnes âgées et dont l'une d'entre elles a son siège social dans le 6e arrondissement. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Nous sommes donc sollicités pour le vote comme l'a dit monsieur le maire, de subventions pour 2 associations et le vote d'une convention en faveur du bien-être des personnes âgées et plus particulièrement pour l'accompagnement de leurs aidants.
Il s'agit de l'association Passerelle Assistante Aidant, qui a été d'ailleurs créée par notre ancienne collègue Martine Ollagnier et qui est située dans le 6e, comme vous l'avez dit, et de l'association Groupe des animateurs en gérontologie, gériatrie, structure et services pour personnes âgées. L'association Passerelle Assistée Aidant a mis en place un système novateur destiné à soutenir de façon personnalisée les aidants familiaux. Rôle qui a été d'autant plus important pendant le premier confinement. Compte tenu de l'originalité et du sens de cette démarche, je vous invite à voter favorablement la signature d'une convention pluriannuelle avec l'association Passerelle Assistant Aidant et l'attribution aux deux associations d'une subvention totale de 43 500 euros. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération ? Il n'y en a pas. C'est bien sûr une aide bienvenue dans ces temps un peu difficiles. Je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Nous poursuivons nos travaux et je vais donner maintenant la parole à la première adjointe, Chantal Lambert-Burins, pour les activités partagées et ludiques pratiquées les samedis matins dans des établissements d'accueil de la petite enfance. Merci monsieur le maire, mes chers collègues. Oui, c'est une dans le cadre de la ville du quart d'heure, il a été souhaité de développer des activités partagées et ludiques parents-enfants les samedis matins dans les établissements d'accueil de la petite enfance, c'est-à-dire dans les crèches, et une subvention est souhaitée de 142 273 000 euros. Pour ce faire à 17 associations qui ont été retenues dans divers arrondissements de la ville. Pour ce qui nous concerne, c'est l'association Jeux d'enfants qui a été retenue par un comité de pilotage, un comité de sélection avec des agents de la CAS, de la DFPE, avec également des directrices de crèche qui pouvaient donner leur avis. Et c'est l'association Jeux d'enfants qui a été choisie et elle interviendra dans deux arrondissements, le 6e et le 8e arrondissement. C'est une association qui se trouve dans le dixième arrondissement, qui a passé une convention avec la ville de Paris et qui est donc agréée des FPE. Le projet, c'est des ateliers à médiation artistique parents-enfants. Pour renforcer le lien parent-enfant, proposant des espaces accueillants et bienveillants, d'ouvrir les familles à des univers culturels et artistiques un peu différents, et d'accueillir des enfants de 0 à 6 ans avec plusieurs parents. Et donc, il y a différents ateliers, ateliers de trésors, ateliers vidéo, ateliers jeux sonores, ateliers de danse, etc., chaque fois avec les parents. Et il avait été prévu que cette association puisse jouer son rôle à la crèche Littrée et finalement, à juste titre d'ailleurs, on a pu modifier cette localisation en faisant intervenir cette association dans la crèche Guinemer qui, comme vous le savez, est au sein du Jardin du Luxembourg. Donc il s'agit de ces jeux d'art-thérapie dans les parties communes, c'est-à-dire sur... vous savez que dans la crèche Guinemer, il y a deux terrasses, donc qui vont permettre effectivement à ces enfants et leurs parents de pouvoir se retrouver avec des personnes qui sauront faire parler enfants et parents et qui permettront donc un lien encore plus développé entre parents et enfants, si jamais les parents savent le faire. Mais encore, on a toujours à apprendre. Et le fait que ça se passe dans le jardin de Luxembourg est quand même beaucoup plus attrayant qu'une cour de crèche rue Littrée. Voilà. Donc, il nous est proposé de donner à la maire de Paris la possibilité de procéder à cette subvention de 142 273 euros pour les 17 associations qui vont intervenir donc dans tous les arrondissements de Paris. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Merci, Madame la Première Adjointe. Y a-t-il de demandes de prise de parole
Sur ce dossier, on fera bien sûr le point après de ce qui pourra être fait, mais je pense que c'est effectivement une bonne chose que finalement, ça soit la crèche Guinemer qui soit choisie, la crèche certes temporaire, mais qui est située dans le jardin du Luxembourg, ça permet d'équilibrer les choses. D'autant plus que sur Littré, on a la cour. Ça me semble être une bonne chose. Et puis les crèches Littré, c'était assez compliqué les entrées, de les faire venir. Monsieur Comet, je vous donne bien volontiers la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Est-ce que c'est la première fois que cette association intervient sur le 6e et est-ce qu'il y a eu dans le passé des associations qui faisaient à peu près la même activité mais qui sont déjà intervenues dans le 6e ou non ? Il fallait que ce soit des associations qui soient validées par la DFPE. Ça a été le préliminaire et ensuite il y a eu des propositions qui ont été faites pour des associations qui avaient la possibilité de venir dans les différents arrondissements, sachant que il y avait également ceux qui avaient beaucoup de matériel, qui demandaient qu'il y ait une possibilité de cantonner ce matériel à l'intérieur de la crèche qui était difficile, ou alors de payer pour l'amener et le remporter. Donc on a trouvé pour notre arrondissement, qui est un petit arrondissement avec des places, des lieux où on va intervenir, où il n'y aura que 8 familles, parce que nous n'oublions pas dans une situation Covid, donc il n'y aura que 8 familles à la fois le samedi matin. Et donc c'est la première fois que jeune enfant intervient, effectivement. Mais elle a elle a la bénédiction, si je peux m'exprimer ainsi, de la DFPE. Sinon, on ne la connaît pas particulièrement. Collègues, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Et bien sûr, ça sera intéressant ensuite de faire le bilan de cette initiative intéressante, mais... Merci. Nous poursuivons nos travaux et je donne la parole à Charles Flaubert qui va rapporter sur le point 7. Les collèges publics, subventions pour les travaux. Merci Monsieur le maire. Donc un projet de délibération. La DASCO donc, nous demande de voter, donner notre avis sur une subvention qui porte sur, pour le 6e arrondissement uniquement, le lycée Maximilien Vox. L'ancienne école de dessin, il y a fort longtemps, au moment de la construction. Juste à noter, c'est un lycée, mais il sera reversé, si je puis dire, dans la compétence régionale à terme. Et donc, c'est pour ça que la mairie de Paris continue à, on va dire, assurer l'entretien, mais à terme, il sera dans la compétence régionale. Bon. Et donc, pour le 6e, hein, une subvention d'un montant de 5 300 € pour effectuer des travaux de toiture au lycée Maximilien Vox, rue Madame, à quelques mètres d'ici. Donc je vous propose de répondre favorablement à cette délibération. Merci. Pour des chenaux, je crois, bouchés. Donc c'est les chenaux, c'est, comme vous le savez, c'est important qu'ils soient effectivement entretenus. Donc je vous propose de voter, même vote que le vote précédent. Je vous remercie. Je vais maintenant rapporter rapidement sur parce que c'était une délibération importante, sur la rue Herschel. La rue Herschel, c'est une toute petite rue qui est située entre le boulevard Saint-Michel et les jardins de l'Observatoire. Et cette rue Herschel, son nom avait été attribué par arrêté du 29 mars 1881 afin de rendre hommage à l'astronome allemand William Herschel, né le 15 novembre 1738 à Hanovre et décédé en 1822 en Angleterre. Il est célèbre pour sa découverte de la planète Uranus, et effectivement, nous ne sommes pas très loin, comme vous le savez, de l'Observatoire de Paris, et c'est pour ça qu'un certain nombre de rues portent le nom de personnes qui ont participé à ces travaux essentiels. On oublie souvent que le XVIIIe siècle était un siècle consacré à la science et que de nombreuses découvertes ont été faites. Mais cette rue Herschel, c'est vrai que peu de gens connaissaient vraiment l'origine de ce nom. Et puis on s'est aperçu aussi qu'il avait une sœur qui s'appelle Caroline Herschel, qui est née le 16 mars 1750 à Hanovre, qui était un peu plus jeune que William, qui est décédée plus tard, en 1848, à Hanovre, et elle a assisté dans ses travaux son frère.
Donc, la ville a souhaité qu'on puisse rassembler leurs souvenirs et en quelque sorte conforter et renforcer les travaux qu'ils ont fait dans ce domaine de l'astronomie en associant leurs deux prénoms et en donnant donc une plus grande force et en même temps une plus grande visibilité à cette rue Herschel que certains d'entre vous connaissent, mais qui est effectivement une rue d'ailleurs uniquement résidentielle, puisque je crois me souvenir qu'il n'y a pas un seul commerce dans cette rue. Plutôt, il y a un petit épicier, un rapide market ou un proxy qui doit être situé à l'extrémité de la rue Herschel et du boulevard Saint-Michel, mais je ne suis pas sûr qu'il soit domicilié rue Herschel. Voilà, mes chers collègues, je vous donne bien volontiers la parole si vous voulez compléter cette délibération. Sinon, je vous engage à la voter et c'est effectivement dans un souhait de, j'allais dire, de renforcer l'attachement des Parisiens à leur quartier et à leur rue. Après, il existe un excellent dictionnaire des rues de Paris. Donc, je vous propose de voter pour la rue Caroline et William Herschel. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant rapporter rapidement sur la commission parisienne d'attribution des logements sociaux. Personnellement, je proposerai une abstention sur ce dossier important. Pourquoi une abstention ? Mais bien évidemment, chacun pourra s'exprimer et voter différemment. Parce que, en réalité, cette commission parisienne d'attribution des logements sociaux fait suite à une conférence du logement de Paris qui a été organisée à la préfecture de Paris, hein, pas à la préfecture de police, je le dis, puisque la préfecture de police est compétente pour les vaccins, mais la préfecture de Paris reste compétente pour le logement. Et en réalité, dans ce dossier, je suis volontiers très mesuré, très, très humble. Pourquoi ? Parce que c'est le produit de toutes les évolutions législatives qui ont été enregistrées au cours des dernières années. Et vous savez notamment qu'en 2017 a été adoptée en 2018 a été adoptée la loi dite Élan, la dernière loi qui s'est substituée, qui traite de problèmes immobiliers, qui s'est substituée à la loi Duflot. Et cette loi Élan, qui a pour ambition d'améliorer l'accès au logement social des ménages disposant de faibles ressources et prioritaires, et de favoriser la mixité sociale des quartiers, je dirais, va dans le sens d'une politique qui avait été déjà mise en œuvre par la mairie de Paris, mais elle rajoute des éléments. Elle rajoute des éléments de dialogue, elle rajoute des éléments que je qualifierais un peu de complexité, et elle fait qu'au final, si vous voulez, dans la convention parisienne d'attribution, qui statuera sur des logements libérés, eh bien, ça rajoute déjà aux dispositifs existants, principalement aux dispositifs DALO, vous connaissez le droit au logement opposable qui concerne particulièrement les personnes qui sont dans des difficultés considérable en matière de logement, tellement considérable d'ailleurs que malheureusement un certain nombre d'entre eux d'ailleurs ne sont pas relogés. Ils peuvent ensuite faire condamner l'État dans l'hypothèse où ils ne sont pas, où leur DALO n'est pas reconnu. Ensuite, il y a les attributions au titre de la politique de la ville. Il y a les accords collectifs qui avaient été élaborés antérieurement. Et puis, il y a ces nouvelles dispositions qui prévoient que, notamment, 25%, je vous lis, c'est le premier, 25% des attributions suivies de baux signés dans des logements situés hors des quartiers prioritaires de politique de la ville doivent bénéficier aux demandeurs appartenant au premier quartile des revenus des demandeurs, c'est-à-dire des personnes qui perçoivent moins de 10 000 euros par an, ou aux ménages relogés dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain. Alors, les opérations de renouvellement urbain, ça, c'était déjà effectivement intégré. C'est logique quand c'est des opérations de renouvellement urbain qui concernent assez peu Paris, qui concernent plus la banlieue. Mais par exemple, il y a une très grosse opération dans le 20e arrondissement qui s'appelle l'opération Python de Vernois, qui est d'ailleurs en gestation depuis nombreuses années, qui donnera lieu à relogement, et c'est parfaitement normal. En revanche, ce que je vous ai lu auparavant et qui nécessite un grand suivi,
va encore complexifier les choses. Et mon abstention, à vrai dire, je veux volontairement être court, est liée au fait que nous avons étudié avec un certain nombre de spécialistes cette délibération très complexe, et il apparaîtrait, mes chers collègues, je dis il apparaîtrait, hein, je suis au conditionnel, je ne fais pas une affirmation, il apparaîtrait que la ville aurait sans doute des difficultés à loger beaucoup de ses personnels. Et ça mérite bien évidemment d'être réexaminé, et ça mérite de mettre l'attention là-dessus. Peut-être que justement, nous trouverons les moyens d'améliorer les choses, peut-être par voie d'amendement au Conseil de Paris, mais je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus, car si je pense que la crise que nous traversons actuellement, et qui continue malheureusement à nous brider dans notre fonctionnement quotidien, a des effets forts, c'est bien justement dans la nécessité que Paris loge davantage ceux et celles qui travaillent pour les Parisiennes et les Parisiens. Un peu ceux qu'on appelle les premiers de cordée, et ceux et celles qui ne peuvent pas, par définition, pratiquer le télétravail. C'est-à-dire, en gros, 60 ou 70% des agents municipaux. Qu'il s'agisse d'agents de la propreté, qu'il s'agisse d'agents travaillant dans les établissements de petite enfance, qu'il s'agisse, par exemple, des personnels travaillant dans les écoles, les ASEM, les ATEM, etc., ce sont les gros bataillons des agents de la ville de Paris. Et nous le savons, malheureusement, l'évolution des prix du logement à Paris au cours des 20 dernières années ont conduit énormément de ces agents à travailler à Paris et à vivre en deuxième couronne, voire troisième ou quatrième couronne. Donc, et ce sont donc des personnes qui, au bout d'un certain nombre d'années, fatiguent, sont plus vulnérables et, bien sûr, aujourd'hui, notamment avec la crise que nous connaissons, peuvent être en difficulté. Ce qui nous vaut d'ailleurs des mouvements de grève et des absences, aussi bien d'ailleurs dans les ateliers de propreté que dans les établissements de petite enfance. Je crois qu'on a la crèche Fleurus d'ailleurs qui est fermée aujourd'hui. C'est une difficulté. Mais là, je vous dis, je le dis avec beaucoup d'humilité, car ce n'est pas un problème facile à résoudre. C'est un problème que nous ne découvrons pas, qui existe depuis un certain temps, que la ville d'ailleurs a essayé, nous incite d'ailleurs dans les attributions de logement à prendre et à faire en sorte que nous puissions attribuer une partie, faire des propositions pour une partie des agents qui sont affectés, mais c'est plus généralement, c'est un problème qu'il faut maintenant prendre à bras le corps. Donc voilà le sens de l'abstention que je prône sur ce dossier bien difficile, car au-delà, de toute façon, c'est bien évidemment la construction de logements qu'il faut essayer de pousser. Construction de logements qui est bien sûr difficile à Paris en raison de l'absence maintenant de grands terrains fonciers. Peut-être pourrons-nous voir, ça sera le cas sur Montparnasse dans les prochaines années, nous aurons des opportunités. Et puis, il faut aussi travailler davantage dans le cadre de la métropole du Grand Paris également pour essayer, à défaut de loger nos agents à Paris, de les rapprocher de Paris en première ou en deuxième couronne et non plus les laisser en troisième ou en quatrième couronne. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire en vous laissant bien volontiers la parole si vous souhaitez intervenir sur ce dossier. Je vois le doigt et le bras même de Madame Kiss qui s'est levé. Je lui donne bien volontiers la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc moi, je vais voter en faveur de cette délibération parce qu'elle propose des points qui me semblent intéressants au niveau de la mixité sociale, au niveau de la part accordée aux demandeurs de DALO et aussi au niveau des mutations sociales, parce que c'est vraiment un problème au niveau du logement actuellement, la difficulté de mutation à l'intérieur du parc social qui font en sorte que ça devient vraiment compliqué pour les gens. J'émets juste une petite réserve, la pertinence de, en fait, la différenciation entre les quartiers populaires de la ville et les autres. Surtout par rapport à des arrondissements comme le 13e qui n'ont pas de quartier populaire de la ville et qui ne sont pas pour autant homogènes au niveau des revenus. Donc voilà, au niveau du 6e, nous n'avons pas ce problème, nous sommes homogènes au niveau des revenus, donc voilà, je voterai cette délibération. Merci.
le petit peuple des chambres de service. Hein. Il y a aussi dans les quartiers théoriquement favorisés des gens qui peuvent être en difficulté. D'ailleurs, on va les voir apparaître de plus en plus dans nos permanences et les permanences du centre d'action sociale. Très bien. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Il n'y en a pas. Donc, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Voilà, vous avez tout le monde et Claude Rip qui nous rejoint. Voilà, on lui demandera ce qu'il fait. Ça vous va, sinon comme... Bien, mais nous continuons de travailler et nous passons au point 10. Je donne la parole à M. Paul Maria. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. La délibération numéro 10 porte sur une régularisation, en réalité, d'un prêt qui a été consenti il y a quelque temps, en fait, de plusieurs prêts. Il y a 10 opérations qui ont été financées par la ville de Paris et qui ont été décidées par des délibérations qui se sont échelonnées entre 2013 et 2019. Ces prêts sont des prêts consentis à la régie immobilière de la ville de Paris pour financer des projets de logements sociaux divers et variés dans tout Paris. Il y en a un qui concerne le 6e arrondissement. La délibération du jour ne concerne pas ces projets qui ont été déjà votés par le Conseil de Paris, mais un réajustement de la composition interne des prêts. Donc, je prends l'exemple du prêt pour le 6e arrondissement. Il s'agit d'une nouvelle répartition entre prêts fonciers et prêts travaux, donc deux types de prêts qui sont consentis à la régie immobilière de la ville de Paris pour mener à bien son projet. Ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est que la ville de Paris donne son engagement pour garantir ce prêt, c'est-à-dire que si demain la régie immobilière de la ville de Paris, pour une raison X ou Y, devait ne plus être en capacité de rembourser ses créanciers, eh bien la ville se porterait garante de ses prêts travaux et de ses prêts fonciers. Donc pour votre information, le seul de ces 10 projets qui se déroule dans le 6e arrondissement est en fait un programme de logement situé aux 5 et 7 rues de l'école de médecine. C'est le réaménagement de l'ancien collège Saint-Côme, qui est donc la finalité de ce projet, c'est une résidence pour jeunes chercheurs qui comprendra 19 logements. Je précise bien que le projet a été voté en 2019, que nous nous prononçons désormais sur le réajustement de la composition du prêt, donc il sera composé, si nous votons pour, d'un prêt foncier de 326 627 euros et d'un prêt travaux d'1 375 921 euros. Voilà. Ça ne change rien au projet, c'est simplement la ville qui doit redonner sa garantie sur les modalités fines du financement de ce projet. Je vous propose que nous adoptions donc cette délibération. Merci pour cette délibération technique. Donc, qui ne prend pas part au vote ? Donc, moi, comme en tant qu'administrateur de la RVP, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Adopté donc à la majorité. Nous passons, mes chers collègues, maintenant à l'étude des vœux. Donc, je propose de donner la parole à Antoinette Kiss pour son premier vœu lié à la végétalisation de la rue Michelet. Chers collègues. Monsieur le maire, chers collègues, merci. Donc c'est un vœu qui a comme but non pas le réaménagement de la rue Michelet, qui est volontairement assez succinct dans son propos. L'idée, c'est de dire qu'il faut arrêter avec ce stabiliser qui est un peu partout maintenant dans Paris, dans certains endroits, aussi au pied des arbres, et de le remplacer par de la pleine terre. Parce que le stabilisé, un sol de type stabilisé, tue les organismes vivants. On a un sol mort, minéral, dans lequel les arbres et la végétation a beaucoup de mal à croître et à survivre. Or, l'un des problèmes qu'il y a à Paris actuellement, indépendamment du fait qu'il faut planter des arbres, il faut également les entretenir et leur permettre de se développer en bonne santé. Et ça, on sait que le stabiliser fragilise les arbres. De même, mais bon, ça c'est un tout autre sujet, les travaux qui sont effectués sur la voirie publique. Donc voilà, c'est un vœu vraiment contre l'usage du stabiliser. Et sur la rue Michelet, elle n'a pas vraiment sens parce qu'on a des espaces de pleine terre et juste à côté, parallèlement, on a ces espaces de stabiliser. Donc
pour moi, ça n'a vraiment pas de sens de rester avec ce stabilisé. Il faudrait mettre de la pleine terre. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Madame Lambert-Burins va vous répondre. Oui, ma chère collègue, donc une partie de ma délégation, hein, cadre de vie, parcs et jardins et des activités antérieures qui intervenaient sur les villes et les villages de France, bien évidemment, me sensibilise d'autant plus à votre vœu, mais si vous me permettez, je ne le trouve pas suffisamment ambitieux. Alors pourquoi ? Parce que nous avions fait sur cette même partie, de ce même positionnement, avec Monsieur le maire, une proposition de miroir jeu d'eau pour les enfants, parce que c'est un vrai îlot de fraîcheur, cette proposition. Et donc, pour l'instant, donc, nous n'avons pas pu faire réaliser avancer cette proposition. Mais ce que je souhaiterais avec Madame Kiss, c'est qu'elle accepte qu'on puisse faire évoluer ce vœu, qu'on discute ensemble et en concertation avec des techniciens qui pourraient nous faire des propositions, de façon à savoir si on peut positionner là ou ailleurs dans le jardin des explorateurs une possibilité de miroir d'eau, de jeu d'eau où les enfants pourraient effectivement s'amuser l'été quand il ferait beau, et qui serait un vrai îlot de fraîcheur plus que quelques petits arbres arbustes sur une partie donc non stabilisée, et qu'on puisse en discuter en concertation également, non seulement avec des techniciens qui pourraient nous faire des propositions, vous-même bien sûr, nous, mais également peut-être avec notre collègue Ariel Bocan, qui positionne également des agrès et des équipements sportifs pour les ados, qu'on puisse avoir une réflexion d'ensemble plutôt que de geler ce vœu en un seul vœu, peut-être moins ambitieux qu'on le souhaiterait tous ensemble d'ailleurs, de façon à ce qu'on puisse en rediscuter. Bien évidemment, c'est toujours mieux que du stabiliser, mais je voudrais pas que ce vœu et le fait qu'on le vote à l'unanimité, ce qui pourrait se passer, nous freine dans cette projet commun de discussion qu'on pourrait avoir ensemble. Donc je vous propose que on puisse modifier ce vœu à terme et faire quelque chose de plus constructif ensemble. Faire effectivement donc un examen ensemble de ces projets. Il serait peut-être possible d'ajouter à ce vœu un amendement en disant, hormis tout autre aménagement de la rue Michelet, d'avoir une position de principe contre le stabilisé en mettant de la pleine terre partout où c'est possible, hormis un aménagement futur global de la rue Michelet. Vous pouvez mettre, forme le vœu qu'entre les deux parties du jardin et les grands observateurs, les espaces actuellement réalisés en stabilisé de la rue Michelet soient réexaminés et évoluent après étude. Et ça peut être. Moi, j'ai rien contre les espaces en pleine terre, mais en réalité, on se posait des questions déjà sur ce qui était réalisé. Donc, on peut peut-être aller plus loin. Pour tout vous dire, on avait déjà interrogé l'ADEV, qui est un peu molle du genou. Et d'ailleurs, ça pose un peu un problème dans le cadre de la politique de volonté de la mairie de Paris de développer la végétalisation. Il y a une volonté au niveau du cabinet de Monsieur Najdowski, mais on sent que la direction proprement dite est un peu empâtée dans ses raisonnements et dans son fonctionnement quotidien. Donc ça permettrait effectivement d'aller plus loin et d'examiner cette possibilité. Ok. Je suis d'accord. Bon, donc avec cette modification-là, je vous propose de l'adopter. Hein ? On marche comme ça. Donc avec cette modification, on va reproposer un petit texte qu'on vous fera repasser, Madame Kiss. Mais en gros, c'est ce que je dis, examen, etc. Principe. Hein ? Donc il ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, il est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Vous avez un deuxième vœu, Madame Kiss. Vous présentiez également un deuxième vœu, ma chère collègue. Oui, excusez-moi. Ah pardon, je croyais que...
excusez-moi. J'ai pas eu le temps d'imprimer mon vœu, donc du coup, je vous en prie. Sur mon téléphone, voilà. D'accord. Donc, c'est un vœu relatif à la réduction de la nuisance lumineuse nocturne, de la pollution lumineuse, qui, on le sait, est néfaste à la fois pour la biodiversité et également pour les humains, qui est source de perturbations au niveau du sommeil, au niveau également de la consommation énergétique et de la vision. Donc ça, c'est plutôt au niveau sanitaire. Donc c'est en fait un vœu pour rappeler la mise en application de la loi, de renforcer les contrôles effectifs des bâtiments, parce qu'on nous a dit que, par exemple, au niveau de Raspail, il y avait des choses qui n'allaient pas, il y avait des infractions qui ont été constatées. Et via l'appli dans ma rue, les habitants ont les moyens de le signaler à la ville, de signaler toutes les anomalies en matière d'éclairage. Donc voilà l'objet de ce vœu. Je vous remercie. Merci, madame. Merci, ma chère collègue. Je donne pour vous répondre la parole à Séverine de Compreignac. Merci, monsieur le maire. Alors, je suis d'accord avec vous au point que, en fait, j'ai déposé ce vœu pour le Conseil de Paris de la semaine prochaine. Il se trouve que je suis vraiment d'accord avec votre analyse. J'ai même essayé de regarder. Pour la ville de Paris, la consommation énergétique, je ne l'ai pas trouvée. J'ai trouvé juste pour la France, c'est 800 gigawatts par an, l'éclairage inutile la nuit entre 1h et 6h. La loi nous propose aux élus de le faire entre 1h et 6h. Il se trouve que le règlement de publicité de la ville de Paris ne le permet pas, enfin ne l'impose pas. Elle a les moyens de l'imposer, mais elle ne l'impose pas. Et c'est pour ça que j'ai déposé ce vœu. Du coup, je vous propose, pour moi, ce vœu n'a pas de réalité parce que la mairie du 6e n'y peut rien. C'est vraiment le règlement local de publicité qui est à l'échelle de Paris qui peut changer quelque chose. Donc je vous propose de vous associer au vœu à travers votre groupe que nous voterons, enfin que je mettrai au vote lors du Conseil du 13. Je vous le passe à la fin si vous voulez, je l'ai imprimé. Voilà, parce que c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet pour la biodiversité, c'est un vrai sujet pour les économies d'énergie et pour la pollution visuelle. Donc je vous propose de le retirer, et à défaut je proposerai à mes collègues de voter contre, parce que pour le coup on n'a pas de moyens d'action en mairie du 6e. Je pense qu'il serait quand même intéressant de sensibiliser les habitants au sujet. Parce qu'ils peuvent déclarer les infractions qu'il y a dans ce domaine via l'appli dans ma rue. Et je pense qu'ils ne savent pas forcément tous. S'ils se promènent dans la rue, ils voient qu'il y a une infraction. Mais, Non, parce que le règlement de publicité de la ville de Paris n'impose pas d'éteindre la lumière, en fait. C'est ça le problème. Il n'y a que ce règlement local de publicité qui peut le rendre obligatoire. Certaines communes l'ont fait. Beaucoup de communes l'ont fait, rendant obligatoire l'extinction des vitrines, des bureaux, etc. la nuit. Mais il se trouve que le règlement de local de publicité de la ville de Paris ne l'y oblige pas, enfin, n'oblige pas. Au niveau des bureaux, c'est une réglementation nationale, non ? C'est une réglementation nationale, mais si vous voulez, c'est toujours la même chose. On est toujours pris ici. Nous ne sommes pas une commune de plein exercice. Seule la mairie de Paris a la capacité ensuite d'émettre des arrêtés, des règlements, règlement local de publicité en l'occurrence, qui est force sur l'ensemble du territoire parisien. Alors on peut être force de proposition dans un certain nombre de cas, soit sur des aménagements locaux, on l'a été grâce à vous, on va l'être grâce à vous et Chantal Ambert-Burins sur le jardin des grands explorateurs. On va tenter sur le vœu suivant au sujet duquel nous avons évoqué avec plusieurs d'entre vous, dont Céline Hervieux, tenter quelque chose pour la réouverture des galeries d'art, mais ça sera un vœu encore qui sera porté, qui sera élevé jusqu'au Conseil de Paris. Vous voyez? On n'a pas la capacité de... Alors, on peut impulser, on peut donner des... Mais c'est toute la difficulté. À Boulogne ou à Malakoff, à Rouen ou à Montélimar, on aurait effectivement plus de possibilités. Monsieur Comet. Oui. Je peux comprendre ce que vous dites au niveau du 6e. Je suis par contre surpris quand notre collègue dit que la mairie
Paris n'a rien fait voter, puisque dans les nuisances lumineuses, on a un certain nombre de PV, on a eu des amendes administratives en nombre extrêmement faible qui ont été imposées, mais enfin qui l'ont été. Et en général, si les amendes ne sont pas imposées, c'est parce que lors de la verbalisation, les bureaux ou les commerces rentrent, disons, dans la loi. Alors je pense qu'il y a une différence entre les enseignes, et c'est peut-être aux enseignes que vous faisiez allusion, et puis ce qui est d'éclairage des commerces et des bureaux, où là, je comprends que la loi existe et qu'elle est appliquée, alors peut-être pas assez sévèrement, mais elle résulte quand même dans un certain nombre de verbalisations et d'amendes. Attention, je n'ai pas du tout dit que la mairie, que l'hôtel de ville n'avait rien fait. C'est pas du tout mon propos. Il y a un règlement local de publicité qui impose beaucoup de choses, et c'est très bien. Simplement, je pense qu'il faut aller un tout petit peu plus loin pour vraiment interdire dans tout Paris l'éclairage inutile entre 1h et 6h. Voilà. Bien, donc vous, ma chère collègue, vous préférez maintenir votre vœu, peut-être ? Oui, parce que ce vœu se rapporte au bureau, pas au niveau de la publicité qui est au niveau des commerces, mais au niveau des bâtiments, des bureaux, des commerces et de ce qui est régi par la loi nationale, bon. En fait. Alors, néanmoins, la majorité municipale va suivre l'avis de Séverine Compreignac. Ça ne vous empêche pas, effectivement, de le reprendre au niveau... au niveau de votre groupe, au niveau du Conseil de Paris. Et je vous propose de mettre ce vœu donc aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Le vœu est rejeté. Je vous remercie pour vos votes respectifs. Nous avons, par un vote d'urgence, introduit un vœu qui doit être en train de vous être distribué par Monsieur Aubeuf, que je remercie de sa mobilisation, qui est très 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 clair et très rédigé de façon assez limpide, non pas que les autres vœux ne l'étaient pas. Dont je vous donne lecture, considérant le nombre très important de galeries d'art à Paris et notamment dans le 6e arrondissement, considérant le fait qu'elles jouent un rôle majeur dans l'animation de la capitale et le bien-être de ses habitants alors que tous les autres lieux culturels, musées, monuments et cinémas sont fermés depuis de longs mois, considérant le fait que les professionnels de l'art, c'est-à-dire, ça vous le savez, il y a eu d'ailleurs un communiqué des galeries dénonçant effectivement le fait que les maisons de vente aux enchères et les sites internet commerciaux, maintenant bien sûr, qui prolifèrent, peuvent continuer à fonctionner, ce qui génère une distorsion grave de concurrence pour la commercialisation des œuvres artistiques de toute nature. Considérons enfin le danger de fragiliser des espaces récents présents dans le centre de Paris, dans sa globalité, c'est pas uniquement Pardon ? On a un autre texte ? C'est-à-dire ? Qui joue un rôle essentiel. Le Conseil du 6e arrondissement et l'ensemble des élus qu'il compose émettent le vœu, article unique, que les pouvoirs publics autorisent l'ensemble des galeries d'art présentes sur tout le territoire parisien à rouvrir leurs portes sans délai. Alors, apparemment, ça a été modifié et donc c'est... Considérant enfin le danger de fragiliser les espaces des commerces culturels, en particulier ceux dont l'ouverture est récente. C'est vrai que le texte est plus clair. C'est ce quatrième considérant se substitue à celui que je vous ai lu. C'était effectivement commerce culturel et ceux notamment qui ont ouvert récemment et qui ont bien sûr qui sont en quelque sorte fauchés dans leur développement par la situation actuelle, alors que je vous rappelle qu'ils étaient ouverts lors du deuxième confinement. C'est l'arrêté récent qui les a conduits à refermer, puisque beaucoup d'entre eux étaient fréquentés d'ailleurs par des Parisiens qui ne souhaitaient pas acheter, mais qui voyaient simplement en, en,
en regardant des tableaux, en regardant des œuvres, s'initier à l'art et puis se changer les idées en quelque sorte, et n'était pas uniquement conduit à fréquenter uniquement des magasins d'alimentation ou des commerces de vêtements. Les commerces de vêtements à l'époque étaient ouverts. Voilà, mes chers collègues. Donc, je vous propose de voter ce vœu et de le monter au Conseil de Paris pour qu'il soit repris éventuellement par l'exécutif parisien, puisque les galeries, là, nous avons, on est centre. J'ai mis galeries d'art à Paris, et particulièrement dans le 6e arrondissement, mais c'est toutes les galeries d'art qui sont concernées, bien évidemment, qu'elles soient dans le 4e, mais il y en a aussi dans le 8e arrondissement et dans l'ensemble des arrondissements de la capitale. Alors, j'ai vu Monsieur Passelec et Madame Hervieux qui veulent intervenir. Bon, ben, Madame Hervieux, si vous voulez intervenir avant moi, je vous en prie. Merci beaucoup. Oui, simplement pour vous remercier, Monsieur le maire, d'avoir répondu à cette sollicitation sur un vœu que l'ensemble du conseil municipal peut porter. Je vous confirme que nous sommes face à une situation des galeristes qui est déjà très compliquée pour le quartier de Saint-Germain-des-Prés, notamment rue Jacob, rue de Seine, et beaucoup de galeristes qui sont en difficulté. Et c'est effectivement une distorsion de concurrence à laquelle on assiste, et on ne comprend pas vraiment pourquoi elles ont été obligées de fermer, dans la mesure où on voyait bien que la circulation était tout de même modérée. En termes de contamination, ça semble évidemment incompréhensible qu'on les maintienne fermées. Donc je vous remercie d'avoir répondu positivement à cette sollicitation et de présenter ce vœu au nom de l'ensemble du conseil d'arrondissement. Merci, ma chère collègue. Monsieur Passelec. Oui, donc je, bien sûr, en tant qu'adjoint à la culture, je m'y associe pleinement et je pense qu'effectivement c'est une grave erreur que d'avoir ne pas avoir laissé les lieux culturels ouverts, notamment les musées par exemple. Alors c'est vrai que peut-être pour les cinémas et les théâtres c'est plus difficile, quoique, mais en tout cas les musées et les galeries d'art auraient dû rester ouvertes. Et ce qui prouve d'ailleurs, je suis très rapide dans mon intervention, ne vous inquiétez pas, mais ce qui prouve que actuellement notre public et les Français ont soif de cela, puisque si on regarde les consultations de notre site internet, que je sais vous suivez avec beaucoup d'attention, eh bien parmi les consultations, ce sont les événements culturels qui ont le plus de succès. Donc ça prouve bien qu'il y a vraiment un besoin des Français de ce manque de culture actuelle, et ça, c'est pour ça que ce vœu, je pense, est extrêmement important. Je propose donc de le voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie et souhaitons donc qu'il soit suivi des faits dans les meilleurs délais. Mes chers collègues, notre collègue Céline Hervieux nous avait posé une question que vous avez reçue sur la situation de la jeunesse et des étudiants à Paris dans le 6e arrondissement. Je crois que Madame Berthomier, qui est conseillère d'arrondissement déléguée à la santé, avec Monsieur Ribes, conseiller d'arrondissement délégué aux universités, Madame Berthonimier va donner la réponse. Madame Hervieux, vous souhaitez prendre la parole ? Je ne connais pas très bien la procédure dans le cadre d'une question orale. Est-ce que c'est possible pour moi de présenter à l'oral la question ou est-ce que vous considérez non, que non, bien sûr, bien sûr. C'est d'accord. Prévu par le règlement. Vous devez présenter votre question orale et on vous répond ensuite. D'accord. Merci beaucoup. Mes chers collègues, cette période de crise sanitaire tend à placer une grande partie de notre jeunesse et une partie aussi du monde étudiant dans une très grande souffrance et une certaine précarité. Les dispositifs d'aide initiés par la ville de Paris ont été nombreux, mais malheureusement, ils sont toujours insuffisants dans les circonstances actuelles qui continuent de se dégrader. Donc il y a une vraie nécessité de renforcer notamment l'accès à l'écoute, aux soins psychologiques pour des jeunes qui peuvent être en détresse. Et nous avons notamment suivi la mise en place d'une permanence de suivi de soutien psychologique qui a été mise en place à la Maison des Initiatives étudiantes, dont une des antennes est située dans le 6e arrondissement. Ce sont des consultations psychologiques qui sont gratuites pour les étudiants, donc c'est une très bonne mesure. Considérant le rôle indispensable de relais et d'amplificateur de la mairie d'arrondissement par rapport aux actions qui sont initiées par la ville de Paris,
Paris, nous formulions la question de savoir par quelles actions concrètes la mairie du 6e arrondissement allait faire connaître, soutenir et amplifier des mesures qui ont été mises en place par la mairie de Paris. Merci. Merci, ma chère collègue. Madame Berthomier va vous répondre. Merci, monsieur le maire. Alors je vous réponds en mon nom, en tant que conseillère déléguée à la santé, mais aussi au nom de Claude Ribes, qui est conseiller d'arrondissement aux universités, et au nom d'Ariel Beaucamp, qui est adjointe au maire chargée de la jeunesse. Madame la conseillère, en réponse à votre question orale, nous avons souhaité vous faire savoir que le maire du 6e arrondissement a confié à l'un de ses collaborateurs, monsieur Tristan Perrier, le soin d'assurer une veille sur le site de la mairie de Paris et sur celui de la Maison des initiatives étudiantes, afin de relever les actions conduites et de les relayer sur le site de la mairie du 6e et auprès des élus de notre arrondissement concernés par ces questions. Nous ajoutons, comme vous le savez sans doute, qu'un certain nombre d'établissements situés sur le territoire du 6e arrondissement ont prêté leur concours à des actions de solidarité en faveur de la jeunesse. La Maison des initiatives étudiantes, dont vous rappelez la présence sur notre territoire au 76 bis rue de Rennes, ainsi que les locaux du Centre Paris Anime, situé rue d'Hautefeuille, qui, après avoir été fermés pendant 5 ans, sont à nouveau gérés par le Centre d'animation. Ces locaux accueillent, et ce depuis le mois de novembre 2020, des distributions de petits déjeuners à destination des étudiants du quartier latin, principalement de Sorbonne Université. La mairie du 6e a également donné un avis favorable à la mise à disposition pour des dispositifs de plus grande ampleur de la salle du couvent des Cordeliers, qui pourrait donc être mobilisée dans les prochaines semaines. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Enfin, le maire du 6e a pris contact avec le nouveau directeur général du CROUS, M. Thierry Béguet, qui a pris la succession de M. Denis Lambert, afin de faire le point sur les nombreux locaux du CROUS situés dans les 5e et 6e arrondissements. C'est ainsi qu'il lui a confirmé que le restaurant universitaire Mazet, jusque-là fermé, ferait l'objet d'une campagne importante de travaux au cours de la prochaine année universitaire afin de le mettre aux normes et de le rouvrir en pratiquant soit de la restauration sur place, soit de la vente à emporter. À l'issue de son prochain entretien avec M. Béguet, le maire du 6e arrondissement reviendra vers nous afin de faire le point sur les autres opérations en cours dans l'arrondissement. Voilà les éléments d'information que nous souhaitions porter à votre connaissance et à la connaissance du conseil d'arrondissement en réponse à votre question orale. Voilà, ma chère collègue. Mais effectivement, restons attentifs à une situation sociale qui est très difficile, vous avez raison d'évoquer ce sujet, et dont nous ne connaissons pas l'ensemble des tenants et des aboutissants. On sait qu'il y a des étudiants qui sont restés à Paris, qui sont entre le distanciel et le présentiel. D'autres ont pu revenir chez leurs parents. On peut avoir à connaître des situations difficiles. Et on les fera d'ailleurs, il faudra d'ailleurs peut-être que on passe à, on le dira également auprès du CASVP, même si le CASVP reçoit moins des étudiants que des personnes d'une autre nature, et que leurs entretiens sont bien sûr confidentiels, il faudra quand même qu'ils nous alertent s'ils avaient à connaître des situations de détresse particulière. Mes chers collègues, nous avons achevé nos travaux. Nous nous retrouverons le mardi 18 mai 2021 à 17h. Est-ce que vous vouliez évoquer certains points particuliers pouvant être évoqués rapidement au titre des affaires diverses? Monsieur Comet. Merci, monsieur le maire. Lors du conseil d'arrondissement du 22 septembre 2020, j'attirais votre attention sur les plaintes de 2 librairies de la rue de Médicis qui jouxtent la nouvelle librairie, car cette dernière se refusait à réparer sa vitrine abîmée depuis des mois. 6 mois plus tard, la situation est toujours la même. Et lors de la première réunion du conseil de quartier Odéon, ce sont cette fois-ci des habitants qui ont souligné, d'une part, le tort que causait à l'harmonie de cette rue le délabrement de cette vitrine, mais aussi, d'autre part, le risque qui pouvait résulter d'un contact involontaire, par exemple un enfant en roller qui tape contre la vitre ou une trottinette, puisque la surface de verre est fragilisée. Or, visiblement, la nouvelle librairie doit considérer qu'une vitrine caillassée apporte de l'eau au moulin de son combat idéologique et ne semble guère pressée de remédier au problème. Je demande donc que la nouvelle librairie soit fermement rappelée à ses obligations concernant l'entretien des vitrines
et que, le cas échéant, les services compétents de la ville de Paris soient saisis. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse aller aussi loin en termes de, je dirais, d'obligations, et ça serait sans doute pas le seul commerce concerné, mais néanmoins, compte tenu de la noblesse de la rue de Médicis et du fait que c'est une demande d'un conseil de quartier nouvellement élu, je vous propose effectivement qu'on prépare un petit courrier destiné au gérant de cet établissement pour qu'on lui fasse effectivement remarquer qu'il serait bon peut-être de vérifier. Alors, je sais que y a-t-il une assurance qui soit en cause? Il arrive quelquefois que les assurances soient longues en quelque sorte à statuer, mais au moins on aura sans doute des éléments d'information à vous communiquer. Et ça permettra peut-être de hâter les choses. Très bien. Y a-t-il d'autres points, Madame Hervieux? Oui, Monsieur le maire, moi j'avais une question qui concernait les tests salivaires dans les écoles. Puisque, comme vous le savez, le gouvernement nous avait annoncé une grande campagne de tests salivaires pour enfin qu'on puisse identifier les clusters dans les écoles qui, aujourd'hui, on le sait, sont dans une situation particulièrement critique vis-à-vis du coronavirus. Et donc j'ai noté qu'un certain nombre d'arrondissements, normalement en coordination avec la ville de Paris, avaient engagé des tests, mais ne les avaient pas en quantité suffisante, certes. Et donc il y a certains arrondissements qui ont pris la liberté, et je crois que c'est le cas du 6e arrondissement, si je suis bien renseignée, de fonctionner plutôt de leur côté pour l'organisation de ces tests. Et donc je voulais savoir, puisque visiblement il y a une première campagne qui a été lancée, et vous avez souhaité, monsieur le maire, qu'on teste, y compris dans les établissements publics et privés. Donc on a reçu des informations par Monsieur Godet sur le nombre de tests qui avaient été effectués. Donc je voulais savoir comment s'était passée l'organisation du choix du laboratoire et est-ce qu'il y avait eu un appel d'offres? Parce que j'ai vu que c'était un laboratoire qui était situé à Neuilly-sur-Seine. Et si on calcule le nombre d'enfants, à peu près 1100 enfants qui ont réalisé des tests, pour une valeur du test à peu près 47 euros, ça représente plus de 51 000 euros au total. Donc je voulais savoir si dans ce cadre-là, il y avait eu un appel d'offres en fait, et comment vous avez fait le choix du laboratoire en question. Et est-ce que vous savez qu'est-ce qui a pu justifier aussi les retards dans les résultats qui étaient attendus dans les 12 heures normalement, mais qui visiblement pour un certain nombre de familles n'ont pas été reçus à temps? Merci. Alors là, je ne peux vous donner que des informations, je dirais, complémentaire par rapport à ce qui vous a été envoyé ce matin. Je savais que vous aviez effectivement, à l'issue de la visite d'hier du centre de vaccination, vous aviez, je crois, posé oralement ce type de questions. On a souhaité effectivement aller un petit peu plus vite que la musique, en accord d'ailleurs avec le rectorat, en accord dont l'échelon local, Madame Henquin, inspecteur départemental de l'éducation nationale, a validé la procédure. Le laboratoire, c'est un laboratoire agréé par l'Agence régionale de santé. Hein. C'était dans une liste. On n'a pas fait d'appel d'offres. Si on avait voulu faire un appel d'offres, là, on y serait encore. Et d'ailleurs, on n'aurait pas la capacité, en tant qu'arrondissement, de faire un appel d'offres pour choisir un laboratoire. Donc ça, c'est une question qui ne se pose pas. On est passé par un laboratoire agréé par l'ARS. Et dans la mesure où, effectivement, à partir du moment où les parents faisaient communication de leur numéro de leur affiliation à la Sécurité sociale, c'était automatiquement pris en charge. Après, il y a eu quelques bugs, effectivement, et comme on l'a indiqué dans la note, c'est des bugs qui ont été effectivement résolus à partir du moment où on a su que certains parents d'élèves s'étaient vus adresser une facturation. Quant à la communication des résultats, ben c'est pareil. Si vous voulez, normalement, ils devaient l'avoir relativement rapidement. Certains l'ont eu un petit peu plus tard. Oui, s'agissant de l'école de la rue Madame, les résultats sont arrivés. Alors, peut-être pas en 12 heures, mais de mémoire, le test a eu lieu vendredi dernier. Et les résultats sont arrivés le dimanche. Donc ça me semble assez conforme à... puisque j'en ai reçu deux pour ma part, j'ai pu constater que c'était plus ou moins dans le délai imparti. Et du côté des associations de parents de la rue Madame, je n'ai pas perçu de mécontentement en particulier. Donc je ne sais pas si ça correspond à un témoignage que vous avez remonté d'autres écoles. Oui, tout à fait. En l'occurrence, c'était des familles du groupe scolaire Saint-Benoît
et lundi, ils n'avaient toujours pas reçu les résultats. Alors, ou par exemple, des familles qui ont deux enfants avaient reçu le résultat d'un enfant, mais pas de l'autre. Enfin, voilà. Bon, après, ça peut, peut-être que ce sont les, c'est le labo qui doit répondre, en fait, de ces délais-là. Ah bah, c'est le labo, hein. Ça, c'est totalement le labo. Je voulais savoir. C'est le labo, mais c'est bien. De toute façon, s'il y a des, quand il y a des bugs, effectivement, il ne faut pas hésiter à nous les signaler. Donc c'est pour une question d'efficacité et de rapidité que vous avez souhaité fonctionner en dehors de ce qui allait être proposé par la Ville de Paris et des services oui, de la DASES. Oui, oui, mais tout à fait. Mais c'est dans un esprit de, c'est dans un esprit de coopération et d'efficacité. Simplement, vous savez, vous l'avez bien vu, une sorte de tension qui monte sur les milieux scolaires. Moi, personnellement, à titre personnel, je ne suis pas favorable du tout à la fermeture des écoles, ni des crèches d'ailleurs. Et plutôt pour le retour des élèves en partie en présentiel aux universités, c'est ce qui est fait. Donc j'estime que la situation actuelle n'est pas forcément si dégradée que ça. D'ailleurs, vous savez que les études qui sont faites, les études épidémiologiques, il y en a autant qui sont pro-fermeture d'école qu'autant pour les maintenir ouvertes. Après, il faut effectivement être prudent et il faut sans doute aller plus loin dans le... plus loin dans la vaccination des adultes. Après, il faudra se poser la question de savoir si les enfants doivent être éventuellement vaccinés. Ça. Mais ça, ça sera dans un deuxième temps. Et pour le moment, nous vaccinons selon les protocoles sanitaires et on continuera à le faire. Et si jamais des enseignants se viennent actuellement pour la volonté, pour se faire vacciner, on ne les prendra que si ils présentent des comorbidités. Je le dis parce que j'ai également signé un communiqué en me disant favorable à la vaccination des enseignants, mais c'est également pour pousser, en quelque sorte, pour pousser, c'est un signal d'alerte, et je sais que la maire de Paris est également sur cette ligne-là, pour qu'on puisse, quand on aura davantage de doses, effectivement, peut-être penser aux enseignants qui jouent un rôle absolument fantastique aujourd'hui. On a beaucoup parlé des soignants et on parle beaucoup des soignants et on a raison de parler des soignants. Mais il faut pas oublier les enseignants qui sont en première ligne, grâce auxquels d'ailleurs nos écoles restent ouvertes, ce qui permet d'ailleurs à beaucoup de familles de continuer à travailler, d'essayer de préserver un environnement familial le moins perturbé possible avec toutes les conséquences psychologiques, sociales, et affectif que vous pouvez deviner. Mes chers collègues, je vous propose peut-être d'achever nos travaux en vous remerciant vivement de votre mobilisation aux uns et aux autres, chacun dans votre domaine, chacun dans vos domaines de compétences. On est encore dans une période un peu délicate, un peu difficile, mais on finira bien par en sortir, même s'il faut continuer à respecter les gestes barrières, se faire vacciner quand on peut le faire, en tout cas, et je vous souhaite la meilleure soirée possible. Merci, monsieur le maire.